directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, M. Moncef Derrick. C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir à cette troisième édition du Forum économique, qui, vous l'aurez compris et constaté, est un thème d'actualité qui touche à des enjeux sensibles. Pour moi, voir nos jeunes qui évoluent, qui ont un sens d'affaires vraiment développé et impressionnant. Et je veux dire, pour l'évolution des entreprises, oui, l'économie évolue très rapidement également. Et le gouvernement, ce n'est pas au gouvernement à dire comment les entreprises doivent se développer. C'est plutôt au gouvernement de suivre les demandes de nos entreprises, les besoins, les opportunités qui peuvent se créer, parce que maintenant, ce n'est plus des besoins pour répondre à une demande vraiment locale. Le marché est international. C'est notre mission depuis notre fondation de soutenir l'entrepreneuriat au Québec. Et je pense qu'on est sur une très barrière d'aller en termes de renouveler la culture et notre bassin entrepreneurial au Québec. Et je pense que c'est important de continuer d'encourager les jeunes à se lancer en affaires au Québec. Le rôle qu'on joue, qu'on doit jouer pour l'ensemble de nos membres, mais aussi par rapport aux intervenants publics, mais aussi par rapport à la relève d'affaires québécoise dans son ensemble, c'est ramener sur la table et ramener des sujets intéressants. Et c'est ce qu'on a fait avec la thématique de cette année. Pour un succès, il faut d'abord avoir une équipe qui est s'appuyer de gens qui sont performants, des gens qui sont compétents, qui n'ont pas peur du changement. Et faut soi-même pas avoir peur d'essayer, de se lancer dans des activités toujours calculées, mais quand même d'essayer des nouveautés. Plusieurs entreprises sont venues. C'est intéressant de voir la relève aujourd'hui, comment les gens ont des bonnes idées créatives et sont prêts. Et c'est notre futur au Québec, c'est la relève. Le Québec est en voie de devenir le pôle d'expertise influent en matière d'intelligence artificielle. Et cela devrait tous nous réjouir. Bonjour, mon nom c'est Rodney. J'ai entendu parler du forum grâce à l'École des entrepreneurs. Je suis un élève de l'École des entrepreneurs où est-ce que je suis en train de bâtir ma propre entreprise présentement. Le danger présentement avec les nouvelles technologies, c'est d'isoler les jeunes plutôt que de les faire travailler en équipe. Puis il faut leur apprendre beaucoup à socialiser pour justement qu'ils ne tombent pas dans des comportements inadéquats comme la violence, l'intimidation. Comment on peut assurer justement la main-d'œuvre nécessaire pour faire cette transformation numérique dans les entreprises? C'est un des éléments importants. Ça nous mène même à nous poser la question, est-ce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre ou en pénurie de compétences pour faire justement cette transformation-là et de la déployer par la suite? Avec le Rassemblement des jeunes chambres du Québec, nous avons émis le projet de réunir des représentants, des présidents, vice-présidents de jeunes chambres de commerce de France et du Québec dans le cadre de ce forum-là. Et nous avons le plaisir d'accueillir 16 représentants de jeunes chambres de commerce françaises. Comment j'ai trouvé la journée extraordinaire, parce qu'en fait, on a eu aussi tout un séjour autour de ce forum sur la culture d'affaires au Québec, sur tout le positivisme qu'il y a ici, les opportunités d'affaires, les opportunités de business et puis tout ce côté communautaire que vous arrivez à créer sur le territoire pour justement développer l'économie, développer les opportunités de ce territoire québécois. Et on doit s'adresser aux cédants, je leur dirais de bien planifier leur relève et de venir au FERA pour voir qu'il y a toute une dynamique autour de la relève d'entreprise. Et pour des repreneurs, se dire que c'est aussi une façon de devenir entrepreneur et qu'il ne faut pas que voir ça comme quelque chose d'inaccessible, au contraire, de bénéficier d'un travail qui a déjà été effectué en amont par un entrepreneur et de prendre sa relève et de pérenniser justement ce qui a déjà été mis en place. On embrasse les nouvelles technologies en ayant comme souci de créer et de maintenir des emplois. C'est pas évident. Donc, quel est l'impact social? Comment ce que le premier ministre du Québec appelle un changement de civilisation va s'opérer et quelle est la réponse que l'on peut donner? Alors, pour nous, c'était très intéressant de pouvoir animer. J'ai eu la chance d'avoir Daniel Henkel, Robert Coallier d'AgroPure, Yanis Malat d'Ubisoft, Jocelyn McClure, un philosophe, pour pouvoir échanger sur qu'est-ce que l'humain dans tout ça. Aujourd'hui, au niveau du Québec, ce que je dirais, la transformation qui doit s'en venir doit être rapide parce que
au niveau gouvernemental à Dubaï en 2020, tout le gouvernement sera basé sur une technologie blockchain. Les transactions gouvernementales se seront faites comme ça. Alors aujourd'hui, ce n'est plus des plans quinquennales qu'on pense, il faut c'est des plans maximum annuels pour être effectivement à la rapidité de ces technologies qui sont, oui, perturbatrices, mais très importantes dans nos vies. Bitfarms, c'est une compagnie qui est spécialisée dans la crypto-monnaie. En ce moment, on construit des centres de calcul de puissance. Donc, en ce moment, notre target, c'est le Bitcoin, mais on pense que dans le futur, ça va être l'infrastructure pour supporter le blockchain. Donc, mais pour l'instant, notre plus gros client, on pourrait dire, c'est le Bitcoin. Au fait, le défi de la main-d'œuvre est un défi qui est très, très important. Je pense qu'au niveau du gouvernement, tout le monde est conscient et les gens travaillent pour trouver des solutions. Il y a aussi l'appui des organismes comme Québec International qui était là aujourd'hui avec nous. Et on voit très bien qu'il y a une réelle volonté de faire un arrimage entre les besoins du marché du travail dans les régions et les instances gouvernementales, mais aussi les partenaires avec qui le gouvernement travaille pour aider justement les entreprises à répondre à ce défi. Oui, clairement, c'est très intéressant pour, je pense, tout entrepreneur au Québec de venir ici et d'écouter un petit peu ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle et voir comment c'est possible d'utiliser les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, notamment en intelligence artificielle, pour développer des business plus performants et des techniques de vente de plus en plus sophistiquées. IBM a fait depuis 2017. Ils ont créé ce qu'on appelle un Partnership for AI, qui est une association, un regroupement, un consortium des sociétés pour transformer l'intelligence artificielle au service de l'individu et de la société. C'est l'intelligence artificielle est supérieure à l'homme. Mais ce qui est supérieur à l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle plus l'homme. Donc je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que si on est capable de se doter, puis on parle d'intelligence artificielle, mais peu importe, de se doter de nouvelles technologies, mais dans un cadre que l'on contrôle, ben, ça va ne faire que prospérer notre économie. Le Bitcoin, c'est quelque chose dont je m'intéresse moi personnellement, mais les nouvelles technologies, Kenza fait partie de ce mouvement-là. Alors nous commençons à trouver de nouvelles stratégies marketing qui touchent la nouvelle technologie. On est très très proche de ce sujet-là, l'ère numérique et tout ce qui est intelligence artificielle fait bien sûr partie des compétences de nos professionnels et on veut prendre une place excessivement grandissante dans tout ce qu'on pense en termes d'art numérique. Il est évident que les comptables sont des conseillers, des gens qui accompagnent notamment les entrepreneurs. Écoutez, 700 entrepreneurs qui se déplacent pour venir parler de technologies émergentes, ça nous rejoint profondément parce que nous, on a à cœur de vouloir les accompagner, ces entrepreneurs-là, pour le développement de leur entreprise. Fait que c'est sûr qu'au Perio, ça répond. On est avec Intuit, c'est toute la technologie. Donc, non, c'est une journée magnifiquement bien organisée. On a vu sur le panel au Perio cette année de très grands entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs de qualité. Olivier Bergeron de Cliquet Mortar, Anthony Vandramme de Poche et Fils, André Almarquis de Womans. Et vous êtes les prochains à venir sur nos panels. Vous êtes les prochains à faire prospérer le Québec. Donc, venez participer à cet événement, venez vous inspirer, venez nous inspirer. Cette édition est réellement un succès. On a eu, comme à chaque année, chaque édition, des gens d'expérience qui parlent de sujets d'actualité, de sujets qui intéressent non pas que le Québec, mais le monde entier. Et on veut voir comment évoluent les technologies ici au Québec, comment on voit les entrepreneurs s'intéresser de plus en plus à faire avancer leurs entreprises avec ces technologies nouvelles et aussi comment le gouvernement réagit par rapport à ces technologies nouvelles. Mon dernier message, il est très simple. On se donne rendez-vous pour la prochaine édition 2019.